Dans le temps de carême, nous avons deux grandes solennités. La première, Saint-Joseph. La suivante, c'est l'Annonciation à la Vierge Marie. La Saint-Joseph nous rappelle, j'allais dire, nous relie presque au mystère de Noël où l'enfant rédempteur est déjà sauveur qui nous est donné. Et 12 ans après, comme le dit l'Évangile de ce jour, eh bien, les parents qui ont presque confiance en ce jeune garçon qui, au bout d'une journée de pèlerinage, a été laissé à, j'allais dire, à sa liberté. Voilà. Et les parents vont se ressaisir pour aller à sa rencontre. Donc, pour nous dire combien les parents vont peut-être Marie, mais Joseph mettra peut-être plus de 30 ans à découvrir celui qui lui a été confié comme le petit rédempteur de Noël. Et nous aussi, pour grandir vraiment en sagesse, en taille, nous avons besoin de cette même grâce du Seigneur pour nous monter, pour faire presque à la manière de Saint-Joseph, ce pèlerinage du silence, afin de le rencontrer, le chercher, le découvrir, pour pouvoir en être vraiment un témoin missionnaire aujourd'hui.